Il est vrai que vous pouvez exercer ici, sans grand risque, votre goût pour les discussions passionnées et inutiles. Notre but est d'être constructif, penser des réformes. Il s'agit bien de ça. Je prétends que l'heure est arrivée de changer le système et d'arrêter de croire qu'en négociant des bouts de ficelle, nous agissons pour le genre humain. Vous faites décidément partie de ces archaïques qui croient que renverser la table est la seule solution pour tout. Mon jeune ami, il faut être réaliste. Laissons les chimères pour ce qu'elles sont. Les chimères ? Vous ne pensez qu'à conserver votre petit pouvoir minable. Et vous ? Vous ne songez pas à garder le vôtre, peut-être ? Et qui n'est guère plus brillant, si j'en crois les dernières dépêches qui sont tombées. Votre base ne vous suit plus trop, voire vous déborde carrément. L'ordre politique instauré par la reine Iria pourrait encore connaître des troubles. Des troubles ? Je vous assure que je n'en sais rien. Je vous assure. Rassurez-vous. Je ne vous accuse en aucune façon. Je suis au service de la reine morte et de l'ordre qui règne sous l'ombre. Je n'en doute pas. Non, mais je suis trop imprécis. Trop vague. Un vampire proche d'un prince m'a fait savoir que son maître avait l'intention de rompre le pacte qui nous lie aux hommes. Trahir ! Voici un mot qui n'avait pas été utilisé depuis longtemps dans cette salle. N'est-ce pas, Dark ? C'est une très vieille histoire, ma reine. Nous avons tous payé pour ce que nous avons fait.